beaucoup de créatures pour le moment, parce que même Dieu lui-même, a voulu avoir tout vraiment ce qu'il est. C'est extraordinaire. La maman est indispensable, mais papa aussi. Mais bon, vous avez compris. Alors, mes amis, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et le Saint-Esprit se fâche au coup de poing sur la table. Bah, qui m'a mis à la dernière place, la troisième? C'est à cause de vous, justement, qui êtes comme du papa de moi. Parce que vous m'avez dit que troisième, la troisième personne de l'Esprit. Je respecte ces grands fondateurs de religion. Je
magnifique, majestueux. Je les écoute. Mais aucun d'eux, n'a dit que ce chemin, la vérité, la vie. Aucun d'eux n'a dit, nul ne va au Père sans passer par là. Aucun de la vie dit, j'ai le pouvoir de changer la vie, j'ai le pouvoir de la demande. Aucun de la vie dit, ma chair est très nourriture, mon sang est très boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle dans lui. Aucun de la vie dit, je suis l'agneau de Dieu. Aucun d'eux n'est mort et ressuscité. Aucun. Alors cessons de dire, toutes les religions pareilles, toutes les pareilles, tout n'est pas pareil. Je me rappelle cette histoire. Un musulman que je ne connaissais pas, j'étais encore dans le bureau de la religion. Il vient dans mon bureau, je ne peux pas vous dire, voici. Il vient dans mon bureau. Et je présente là-bas, qui était vraiment encore. Il m'a montré la dame qu'il avait apportée. Il me disait cette photo, je suis avec telle personne de tel pays. Telle photo, telle image, grande image, celui-là, ainsi de suite. Thank you.
pour le renouveau. Il y en a qui doivent le réveiller. C'est pour vivre toutes les musulmans. Puis le troisième point, c'est que les musulmans savent que Jésus reviendra. Jésus reviendra, on ne dit pas du tout que ma mère reviendra. Donc vous ne savez pas ça, vous ne savez pas que les gens cette croyance. Jésus reviendra pour juger tout le monde.
n'y a pas un seul péché que Dieu ne puisse pas pardonner, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est nous qui disons non avec Jésus. C'est l'évangile du dimanche dernier. Jésus venait de faire sortir un démon sauvage de faire de quelqu'un. Il venait de délivrer quelqu'un. Les gens ont dit, les gens étaient contents. Ils ont dit des merveilles de Dieu, des louanges de Dieu. Mais si tu veux que quelqu'un vous dise, c'est pas Belzébul, le chef des démons, qui vous fait les gars. C'est méchant. Jésus aurait pu lui dire, c'est toi qui fais ce boulot, c'est toi qui es volé. Non, non. Il ne dit pas la chose. Ne vous arrêtez pas. Avec toi, fils de Dieu, vous pouvez vous arrêter. Même quand vous voyez la vérité, c'est blanc, c'est noir. Tout le monde voit que c'est blanc, tout le monde voit que c'est gay, mais vous dites que c'est mal. C'est le feu descendu sur les apôtres et sur les disciples sous forme de lame de feu, flamme, qui se posait sur la tête de chacun. Pourquoi la flamme? Parce que nous devons embraser le verre. Et quand ils ont reçu cette flamme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les portes à la ville, ils n'avaient plus peur. Et les voilà descendus sur la place de Dieu. Et ils proclamaient les louanges de Dieu. Il y avait les femmes, les maîtres, les élamites, les lamites, les arabes, toutes sortes de plans, les fonds, les vinas, etc. C'est vraiment un arrêt. On n'a pas vu du biscuit. Et la merveille de l'arrêt, c'est qu'ils proclamaient les moyens de venir à l'arrêt. Et les autres entendaient dans leur propre langue ce qu'ils disaient à l'arrêt. Traduction simultanée par les succès. Diversité des peuples. Création officielle de l'Église. Divers peuples, diverses nations, diverses ethnies, mais une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, si c'est l'Esprit, le cher enfant, le cher fils, le cher fils, que vous allez recevoir, n'allez pas le recevoir pour le garder. Vous allez vraiment le recevoir. La confirmation, c'est Dieu qui vient confirmer le baptême que vous avez reçu. Mais, vous pouvez le faire aussi. Judas avait vu, en fait, tous les enseignements de Dieu. Il a vécu la vie de Jésus. Il a certainement vu Lazare sortir du tombeau. Et pourtant, il n'a pas voulu changer de cœur. Il en est aussi des hommes de Dieu. Qui lui chante toutes les grâces de Dieu, tous les sacrements de l'Église. Mais il ne chante pas de cœur. Et il faut que là, c'est la volonté. Oh, ça, c'est vraiment la volonté. Les gens qui disent, comment on veut. Et quand on me regarde, je ne sais pas pourquoi les hommes de la veste. Et j'ai fait, ici, c'est vrai, là, mais pourquoi Dieu dit, arrête de Dieu, la volonté de Dieu, plein de Dieu. C'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui regarde vers Kourou, à l'autre de Kourou, et il regarde vers Kourou, et il est tout le temps de marcher par les guerres. Mais il n'a jamais fait ça. Et il sait d'oublier son passé, parce que le passé, là, tu ne peux pas le corriger, tu ne peux pas le corriger, c'est le présent. Regarde à l'avenir.
Beaucoup de personnes, comme quelqu'un qui prend le côté et il met ça dans la tête, après la loi, j'avais dit, si vous êtes toujours en train de ressasser votre passé, le passé, je dis la parole du mal, c'est la parole du mal, elle va voir, il va voir, dans son coin. Ne réponds pas davantage. Les gens là, mon Dieu, ils ne sont pas tous les plus. Et puis, aide-nous le pardon passé. Qu'est-ce qui fait que nous pardonnons facilement? C'est la paix. Qu'est-ce qui fait que nous pardonnons facilement? C'est la vie. Satan orgueilleux nous met dans le cœur de ne pas pardonner. Et de vous faire ça, de se manger de la pire des manières. L'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, nous disons, tu grandis devant Dieu en pardon. Les gens peuvent croire que la bonté, c'est une faiblesse, non, c'est une force. La douceur, c'est une force. C'est notre manière. Heureux de faire tout. La douceur, c'est une force. Alors, et puis je dis ça aussi, pour le mariage, de plus en plus on a des problèmes. Et pourtant, il y a des plus beaux que l'amour dans le monde. Plus les décès, plus ils se ressemblent. Mais pour les états, c'est le respect. Le respect de Dieu. C'est respecter les gens et respecter les autres. Et dans ce respect, il y a la vérité. Amour va toujours avec la vérité. Là où il y a tombé, là où il y a mensonge, là où il y a possédé, ça garde l'amour. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut tout dire à papa? Mais bien sûr, vous avez quitté votre père et votre mère, vous vous attachez à votre femme, vous avez dit là, vous ne pouvez plus une seule chair, vous ne pouvez plus cacher. Il n'est pas là. Vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas. Est-ce que Baba est dans le bouclier de l'or? Non. C'est elle qui va pas changer. C'est elle qui va pas. La vieille marie de l'âme surpris. La première demande une fois. Pourquoi c'est aux petites filles? La plupart du temps, c'est aux filles, aux petites filles, aux adolescentes. C'est la marée. Ah, tu veux aussi, ça a été la même chose. Aux adolescents. Tu veux aussi pas de mandat. Le 1981-1989, la vieille mariée est apparue sous forme de rwandaise et pas de française, parce que les statuts que nous avons parlé
à tel mari de prendre la couleur locale. Là où il y a. Alors la vieille marie a parlé en toilette. C'était pour annoncer le génocide. Il y a des moments. Il attend sur réconciliez-moi. Laissez tomber vos histoires de vous tous. Laissez abandonner ça. Vous êtes tombés à être inquiétés. C'est vrai que c'est un pays qui va bien 90% de la religion. Selon eux, plus de la moitié sont les mêmes. Et abandonnez vos querelles, sinon, un fleuve de sang va couler.